C'est un grand honneur pour nous d'accueillir Jean-Pierre Bourguignon, qui est professeur à l'École Polytechnique, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut des hautes études scientifiques, ceci parmi de nombreuses autres responsabilités qu'il exerce. Il est aussi un des auditeurs les plus assidus de ce cycle de conférences, dont il n'a manqué que quelques-unes. Le sujet dont je voudrais vous parler ce soir est donc le sujet des espaces courbes, en commençant par Gauss et ensuite en nous promenant depuis le début du 19e siècle jusqu'à nos jours et en passant par quelques autres personnages. Donc la série s'appelle « Un texte, un mathématicien ». Donc le mathématicien dont nous allons parler abondamment aujourd'hui est donc Carl Friedrich Gauss. Et le texte est donc ce texte qui s'appelle « Les discussions générales sur les surfaces courbes », publié donc en 1827, 1828 si vous lisez la date en latin, mais vraiment correspondant à une conférence qui a été faite par Gauss en fait en 1827. Donc la règle du jeu de ces conférences, comme vous savez, c'est effectivement de mettre en correspondance un texte et un mathématicien, c'est-à-dire à la fois la place que ce texte occupe dans l'œuvre du mathématicien, mais évidemment, ce qui va nous intéresser en particulier, c'est d'étudier la descendance de ce texte. Et donc, ce que je vous propose déjà comme cadrage, c'est effectivement de regarder comment, jusqu'à nos jours, le concept qui est présenté pour la première fois, qui est né dans le texte de Gauss, le concept de courbure, comment il a prospéré depuis ce temps-là, comment il a évolué, comment il s'est enrichi. Enfin, en fait, du point de vue historique, c'est vraiment un moment historique, puisque c'est, du point de vue d'un texte écrit, le premier texte où, enfin, on possède l'outil conceptuel pour tordre le cou à l'unicité de la géodésie, de la géométrie euclidienne et en fait ouvrir les vannes de l'abondance des modes de représentation géométrique. Enfin, une chose tout à fait intéressante, c'est que c'est vraiment ce texte joue aussi un rôle important dans, disons, une évolution des relations entre les mathématiques et les autres sciences et la représentation du monde, puisqu'il va vraiment créer une distance. Il va permettre aux mathématiciens de prendre plus de distance, disons par les modèles qu'ils proposent, entre les mathématiques, leurs sciences, et la réalité pour laquelle ils proposent des modèles. Enfin, bon, puisque je vous ai dit, évidemment, la règle du jeu, c'est de parler d'un texte et d'un mathématicien, mais évidemment, ça sera un prétexte pour voir un certain nombre d'autres personnages importants et d'autres documents historiques éventuellement. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je pense qu'il est utile de passer quelques minutes sur la préhistoire et donc ce que j'ai envie d'appeler les premiers pas de la géométrie. Alors ces premiers pas de la géométrie, pratiquement dans toutes les cultures, ils ont toujours été autour du concept de comprendre l'espace, le concept d'espace. C'est une chose qui s'impose à tout humain et disons l'espace qui nous environne nous pose beaucoup de questions. Comment est-il fait? Comment peut-on le représenter? Comment peut-on le maîtriser d'une certaine façon? Par exemple, y compris pour des choses extrêmement pratiques, quand on veut vendre un champ, comment peut-on estimer sa surface, puisque malgré tout, sa valeur dépend quand même en grande partie de sa surface. Donc il y a beaucoup de concepts autour qui sont ancrés dans la notion d'espace, qui s'imposent pratiquement à toutes les cultures. Donc, comme je le disais, dans de nombreuses civilisations, la question de la compréhension de l'espace, de sa représentation, s'est présentée et, disons, diverses solutions, diverses façons de faire ont été proposées. Juste pour donner un exemple, parce que nous sommes très imprégnés de la géométrie des Grecs, il faut savoir quand même que dans la Chine ancienne, les connaissances géométriques étaient en fait très très développées, comme le montre ce manuscrit qui remonte à peu près 5 siècles avant vraiment l'énoncé du théorème de Pythagore et qui est une démonstration du théorème de Pythagore. Donc appeler le théorème de Pythagore le théorème de Pythagore est évidemment un abus de langage coupable. Un élément, malgré tout, un document qui a joué un rôle historique extrêmement important, ce sont les éléments d'Euclide. Donc ce texte était indiscutablement un livre décisif dans l'histoire de l'humanité. Malheureusement, on n'en possède aucun exemplaire, on n'en possède que
des copies de copies. Donc c'est toujours un problème de savoir ce qu'était ce document en réalité. Il est très important parce que vraiment c'est une des façons de représenter l'espace qui a vraiment, disons, bien vécu, c'est-à-dire survécu pendant très longtemps, pratiquement sans transformation, parce qu'il proposait une méthode pour l'analyser et des concepts pour le concevoir et le comprendre. Et donc, une autre chose aussi, du point de vue mathématique, il ne contient pas que les éléments d'Euclide ne contiennent pas strictement que de la géométrie, contiennent aussi d'autres éléments mathématiques, mais en tout cas, il y a une méthode d'approche des mathématiques qui est formulée de la façon la plus explicite dans les éléments d'Euclide, qui est la méthode axiomatique, qui, comme vous le savez, a servi quand même de creuset au développement de toutes les mathématiques à l'échelle, au moins du monde occidental pendant un moment, puis ensuite beaucoup plus généralement, et aujourd'hui la façon dont les mathématiques se développent dans le monde entier s'appuie, même si elles ne se réduisent pas, à cette méthode axiomatique. Enfin, la chose qui a été extrêmement étonnante, c'est que donc ce souci de construction de façon systématique de la représentation de l'espace par des définitions des objets géométriques, en fait, comme c'est un texte extrêmement bien structuré, il a aussi posé aux mathématiciens des problèmes, parce que brusquement, ils se sont mis à se poser la question, est-ce que l'axiome qui suit tous les axiomes précédents, est-il vraiment un axiome? C'est-à-dire, est-il indispensable de l'énoncer? N'est-il pas possible de le déduire comme un théorème des précédents? Et donc, un des axiomes qui se trouvent dans les éléments d'Euclide, qui a été la source de ce problème, est ce qu'on appelle le postulat des parallèles. Donc la façon dont il est énoncé dans les éléments d'Euclide n'est pas la façon dont on a l'habitude de l'énoncer. Donc je vous redonne l'énoncé là. Donc si deux droites en coupent une troisième en formant des angles intérieurs dont la somme est inférieure à un angle plat, alors elles se coupent du côté de ces angles pourvu qu'on les prolonge suffisamment. Donc vous voyez que l'énoncé est quand même un peu contourné. Et en fait, ce qu'il y a dedans qui est tout à fait intéressant, c'est que c'est parmi les axiomes d'Euclide, c'est le seul qui fasse appel à l'infini d'une façon, puisqu'il y a l'expression « pourvu qu'on les prolonge suffisamment ». Alors évidemment, on a l'habitude de donner une autre formulation du théorème d'Euclide, qui est une formulation équivalente, qui est que par un point pris hors d'une droite, il passe une et une seule droite parallèle à une droite donnée. Donc, une autre formulation qui est tout à fait importante pour notre discussion ultérieure, c'est cette formulation que la somme des angles d'un triangle est égale à un angle plat, autrement dit 180 degrés. Donc voilà un énoncé qui se trouve dans les éléments d'Euclide, comme le cinquième postulat, et qui pendant très longtemps a été l'objet de beaucoup de discussions, parce que beaucoup de gens ont cru en trouver des démonstrations à partir des énoncés précédents. Et il se trouve que toutes les démonstrations qui ont été proposées se sont révélées fausses, mais certaines extrêmement ingénieuses et en tout cas, provoquant un progrès des mathématiques tout à fait utile. Donc je continue avec cette problématique de comprendre l'espace, en particulier à partir de cette géométrie euclidienne qui se trouve définie et développée très abondamment dans les éléments d'Euclide. Et il faut voir que le paysage scientifique, le paysage mathématique, mais aussi le paysage, de la physique qui se constituait au cours des siècles qui ont suivi, a quand même connu des bouleversements très considérables. Et donc, il est tout à fait intéressant de voir que cette géométrie euclidienne est d'une certaine façon resté intacte. Par exemple, du point de vue de la physique, un des très grands textes importants est le texte qui s'appelle Il Saggiatore de Galileo Galilei, qui est, du point de vue de la science moderne, un texte vraiment fondateur dans lequel on peut lire que le grand livre de l'univers est écrit dans la langue de la géométrie. Et pour Galileo Galilei, il n'y a pas de doute sur ce que c'est que la géométrie. La géométrie, c'est la géométrie euclidienne. De même, quand on voit René Descartes, qui aujourd'hui s'est considéré un peu comme une chose tout à fait banale, de représenter des points dans le plan par deux nombres, ou des points dans l'espace par trois nombres, en tout cas de prendre des systèmes de coordonnées, donc d'utiliser ce qu'on appelle la géométrie analytique,
Eh bien, à l'époque de Descartes, affirmer cette identité entre les figures géométriques d'une part et les nombres, et leur représentation par les nombres, a été une vraie révolution. Et donc ça ne veut pas du tout dire qu'antérieurement à lui, on n'a jamais utilisé des représentations numériques pour comprendre des figures géométriques, mais ce qui était chez Descartes, c'était très différent, c'était l'affirmation d'une identité totale, du fait que cet outil de la géométrie analytique avait une valeur universelle. Donc, tout en faisant cela, rien ne changeait dans la géométrie euclidienne. Enfin, un texte extrêmement important du point de vue aussi bien des mathématiques que du point de vue de la physique, est donc le grand texte d'Isaac Newton, 1687, qui s'appelle les Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de voir à quel point Newton, conscient de faire, qui n'était pas un homme très modeste, comme vous le savez probablement, conscient de faire une œuvre tout à fait importante, a pris vraiment pour cet ouvrage, qui était un grand ouvrage pour lui, vraiment le modèle des éléments d'Euclide. Donc le texte de Newton est vraiment écrit dans un style extrêmement, disons, inspiré des éléments d'Euclide. Donc que fait-il dans ce texte extraordinaire? Il fait d'abord un grand progrès mathématique, il définit ce qu'on appelle le calcul différentiel, la notion de dérivée, la notion de tangente à une courbe, etc. Donc la notion de dérivée de vitesse instantanée, par exemple. Et grâce à cette notion de vitesse instantanée, il est capable de définir ensuite la vitesse de la vitesse, autrement dit l'accélération, ce qui l'amène à présenter et à expliquer les lois de la mécanique, et non seulement les lois de la mécanique, mais aussi les lois de la gravitation. Et donc ce texte est un texte qui est une triple révolution, en développant un nouveau champ des mathématiques, qui va être donc le calcul différentiel, et ultérieurement, comme on le verra, la géométrie différentielle, mais aussi, en même temps, avoir les lois fondamentales de la mécanique, pour lesquelles on avait balbutié pendant très très longtemps. On ne disposait pas de lois, évidemment, pertinentes pour décrire le mouvement des corps, et en particulier cette redécouverte de façon complètement déductive des lois de Kepler pour les mouvements des planètes dans le système solaire. Donc ce texte est effectivement extraordinaire, mais vous voyez qu'en faisant tout ça, on ne touchait pas à la géométrie euclidienne. Donc c'était une persistance assez extraordinaire malgré toutes ces révolutions. Et donc on était dans un schéma de pensée, pour beaucoup de gens, où vraiment la géométrie euclidienne était la seule pensable. Donc on était dans une sorte de vision de l'unicité de la géométrie euclidienne. Et donc, d'une certaine façon, on peut se poser la question, vers la fin du XVIIIe siècle, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Eh bien, typiquement, un grand philosophe de toute éternité, mais en tout cas de cette période, qui est donc Immanuel Kant, écrit un livre tout à fait fondamental de la philosophie qui s'appelle « La critique de la raison pure », dans lequel il a un certain nombre d'a priori, et parmi les a priori, il y a justement à la fois la géométrie euclidienne et en même temps la physique newtonienne. Donc on est dans un contexte dans lequel ces vérités, ces théories scientifiques sont présentées comme des vérités absolues, non contestables, et dans lequel il n'y a pas place pour d'autres façons de penser. En fait, quand on regarde les choses d'un peu plus près chez les mathématiciens, c'est une période d'ébullition considérable autour de cette question de la géométrie euclidienne et de son unicité, en particulier le fameux postulat. Est-ce que le postulat des parallèles doit être, disons, rajouté au précédent, ou est-ce qu'il peut être déduit comme théorème? Et il y a vraiment tout un tas de publications par Sacchetti, par un mathématicien suisse qui s'appelle Lambert, de choses qui commencent à donner l'idée que finalement, il faut vraiment douter, il faut vraiment prendre ce postulat en plus, autrement dit qu'il n'est pas question de le déduire des précédents, autrement dit, il y a de la place pour une autre géométrie que la géométrie euclidienne. Mais cette ébullition qui se passait chez beaucoup de mathématiciens, en fait, qui s'intéressaient à la géométrie, était encore extrêmement confuse. On en était simplement à dire que si on pouvait faire ça, alors. Mais personne n'osait encore, disons, au grand jour, dire que vraiment on pouvait mettre en cause cette géométrie euclidienne.
Donc j'en arrive au moment de parler de mon personnage, donc Carl Friedrich Gauss. Donc il est né en 1877 à Braunschweig et il est décédé en 1855, donc une vie tout à fait bien remplie, assez longue pour l'époque. Et donc sa jeunesse se passe dans une famille relativement modeste, mais très très tôt, on remarque qu'il a des talents calculateurs assez extraordinaires. Vous connaissez l'anecdote le concernant de son instituteur qui, pour occuper sa classe, avait demandé aux élèves de calculer la somme de tous les nombres de 1 à 100. Et pratiquement immédiatement après, Gauss lui a annoncé la réponse, 5050. Et donc l'instituteur était tout à fait étonné de cette capacité de calculer aussi vite. En fait, Gauss n'avait pas calculé si vite que ça. Il avait simplement remarqué que si on écrit tous les nombres de 1 à 100, puis tous les nombres de 100 à 1 et qu'on les ajoute, eh bien, on trouve 100 fois 101, mais on les a copiés deux fois, donc il faut diviser 100 fois 101 par deux, et on trouve 5050, ce qui, pour un jeune élève, est quand même une jolie prouesse. En tout cas, il est entré au lycée à 11 ans, donc relativement jeune, et ensuite, étant remarqué par le duc de Brunswick, il a pu rentrer dans un collège qui était une sorte, en fait, ce qu'on appellerait vraiment un lycée avancé, les classes terminales d'un lycée. Il avait 15 ans et en fait, il a passé trois années la période où il avait 18 ans à 21 ans à l'université de Göttingen, qui était une des grandes universités allemandes de l'époque, mais en tout cas pour lui qui était une période de travail très très intense. Donc ce qu'on peut appeler ses premiers pas de mathématicien, tels qu'on en a des traces, vous verrez que Gauss n'était pas un homme à écrire beaucoup de choses, comme je le dirai tout à l'heure. En tout cas, on sait, parce que ça c'est un travail qu'il a publié, qu'à 19 ans, donc il a trouvé cette fameuse construction d'un polygone régulier à 17 côtés, avec la règle et le compas, qui était un problème qui était d'une certaine façon encore non résolu à cette époque, et qui est déjà pour le résoudre, il faut déjà, du point de vue, sur le plan mathématique, une très grande ingéniosité, une très, très profonde compréhension d'un certain nombre de propriétés algébriques. En tout cas, donc comme je l'ai dit, à 21 ans, il quitte Göttingen sans avoir de diplôme, ce qui est un tout petit peu étonnant, mais finalement, toujours avec l'insistance et le soutien du duc de Brunswick, il soutient une thèse à 22 ans, donc en 1799, et le sujet de sa thèse n'est pas un sujet secondaire des mathématiques, c'est le théorème fondamental de l'algèbre, autrement dit le théorème qui dit que toutes les fois qu'on prend un polynôme de degré n à une variable complexe, eh bien ce polynôme se décompose en facteurs du premier degré, donc il est le produit de n polynômes du premier degré, donc ça veut dire que toute équation de degré n a exactement n racines. Donc ça, c'est évidemment, dans le courant de sa vie, en fait, il a donné 4 démonstrations indépendantes du théorème fondamental de l'algèbre. Cette démonstration-là n'est pas considérée comme la plus limpide qu'il ait pu donner, mais malgré tout, c'est une démonstration. Donc voilà, Carl Friedrich Gauss, je pense que ce portrait a été fait quand il avait, je crois, 25 ans. Donc ça donne une idée de Carl Friedrich Gauss un peu jeune. Et alors, en fait, dans cette période très, très active, où il était très, très engagé comme mathématicien, il y a une année qui est quand même tout à fait exceptionnelle, qui est l'année 1801. Et donc, il publie dans cette année-là un texte qui s'appelle « Les discussions arithmétiques », qui est un texte assez phénoménal, qui est vraiment, d'une certaine façon, la somme de beaucoup de résultats sur l'arithmétique, la théorie des nombres. Ce texte est extrêmement riche, dans lequel il y a une des sections qui est consacrée donc à ce fameux théorème sur la construction à la règle et au compas d'un polygone régulier à 17 côtés. En fait, en même temps, il s'intéresse beaucoup à la mécanique céleste, à l'astronomie, et alors que, disons qu'un certain nombre de personnes, d'astronomes, s'intéressaient à la recherche d'un petit objet céleste qui s'appelle Cérès, beaucoup de gens prédisaient on avait très peu d'observations sur ce petit objet, donc il s'agissait d'une certaine façon, à partir de peu d'observations, d'arriver à faire des propositions pour localiser cet objet, et beaucoup de gens étaient finalement d'accord sur l'endroit où on devait, avec la lunette, le chercher, et finalement, Gauss a proposé une solution
radicalement différent de ce que les autres proposaient, mais ce qu'il y avait derrière, c'était déjà la création de ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés, qui est une des méthodes d'extrapolation les plus efficaces qui soient, et donc implicitement, pour faire ce travail d'astronome, disons, pour ce problème un petit peu secondaire, il a donc créé à cette occasion cette méthode qui est toujours d'usage. Donc évidemment, ces résultats impressionnent et plusieurs personnes souhaitent vivement qu'il s'installe, qu'il revienne à Göttingen, puisqu'il a quitté Göttingen sans diplôme, est allé passer une thèse à Helmstedt, et donc finalement, voilà ce qui est... Alors finalement, c'est les astronomes qui, d'une certaine façon, le convainquent de revenir. Donc à 30 ans, il est nommé directeur de l'observatoire de Göttingen. Et en fait, beaucoup de ses travaux vont être consacrés à la mécanique céleste, mais aussi beaucoup de ses travaux aux mathématiques. Donc ses résultats s'accumulent dans toute cette période, il est extrêmement actif, mais il est toujours très très intéressé par les questions de précision des mesures, évidemment en liaison avec l'astronomie, mais comme vous allez le voir, pas seulement en liaison avec l'astronomie, mais aussi en liaison avec la géodésie, qui est donc une version... terrestre de l'astronomie, si vous voulez, c'est-à-dire vraiment la localisation très très précise des points sur la surface terrestre. Et en fait, pendant une douzaine d'années, il accepte une mission en fait très lourde, qui va vouloir dire beaucoup de travaux de terrain, qui consiste à, disons, repérer très précisément les distances entre un certain nombre de châteaux ou un certain nombre de montagnes tout autour de Hanovre. Donc vous voyez que ce mathématicien, homme, disons, passionné d'abstraction, était aussi capable de faire un travail extrêmement, comment dire, pratique. En fait, ses travaux de géodésie, donc ses mesures sur le terrain, ont pris beaucoup de son énergie et de son temps. Alors ces relations mathématiques, en fait, à l'époque... que vous allez voir, c'est quelqu'un qui a publié quand même pas mal d'articles, mais après sa mort, on a trouvé dans ses manuscrits un nombre extrêmement considérable de textes non publiés, parce qu'il était un peu, enfin, comme je le dirais tout à l'heure plus précisément, vraiment perfectionniste. Et donc c'est très très important pour le suivre, de suivre vraiment ses relations épistolaires avec beaucoup de mathématiciens différents. Et en fait, l'étude de sa correspondance est vraiment une partie absolument indispensable pour comprendre un petit peu l'évolution de ses idées, le point où il en était sur un certain nombre de sujets, et en fait un certain nombre de questions qu'il avait en fait comprises, mais jamais publiées parce qu'il n'était pas satisfait du niveau de perfection auquel il était arrivé. Donc c'était quelqu'un qui a été aussi un professeur, donc qui a eu plusieurs élèves tout à fait remarquables. Dès 1910, donc vous voyez, 1910, il avait 33 ans, il a eu un élève tout à fait connu qui s'appelle Friedrich Bessel, le monsieur des fonctions de Bessel, mais aussi une mathématicienne française, Sophie Germain. Et vers la fin de sa vie, il a eu deux élèves assez extraordinaires qui sont Richard Dedekind et Bernard Riemann. Dans le cas de Riemann, je ne sais pas si on doit dire qu'il était vraiment son élève, puisque Riemann était d'une certaine façon tellement génial qu'il n'avait pas vraiment besoin de professeur. Mais en tout cas, Dedekind a écrit pas mal, un certain nombre de pages sur la façon dont il vivait son contact, ses relations avec Gauss. Enfin, c'est quelqu'un qui avait vraiment son réseau épistolaire, était aussi un réseau d'amis, certains des scientifiques. Donc par exemple, je cite le cas de Farkas Bolya, qu'il a rencontré quand il était à Göttingen, quand il était jeune, et avec qui il a gardé des relations très fortes. On reparlera de Farkas Bolya un petit peu plus tard. Donc voilà un petit peu rapidement, disons, cette présentation de la vie, disons, un peu sommaire de Carl Friedrich Gauss. Mais je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur sa personnalité. Et donc, une chose tout à fait extraordinaire avec lui, c'était vraiment son goût de la perfection. Et alors, ce goût a été vraiment très, très souvent critiqué par ses amis en lui disant « Mais écoute, tu exagères, tu sais faire ça, personne ne le sait, tu vas disparaître. » Il y a plein de choses dont tu nous as jamais parlé, dont on est sûr que tu as des choses très importantes à dire sur ces questions. Il faut absolument que tu écrives plus. Et donc là, il a plusieurs, dans ses écrits, spécialement dans ses échanges avec ses amis, il y a vraiment beaucoup d'argumentations autour de ça. Donc une des argumentations très importantes pour Gauss, c'est de dire « Mais attendez, la raison pour laquelle je ne publie pas, c'est que ça n'est pas du tout parce que je n'ai pas assez poli
au sens du dernier polissage d'un texte. Ce n'est pas ça qui est important, c'est que je n'ai pas encore trouvé la bonne façon de présenter les choses. Et donc, voilà, donc sa devise était « Pauca sed matura », donc pour ceux qui ont fait un peu de latin, même un peu de latin de cuisine, ça devrait suffire, « peu de choses, mais des choses mûres ». Et donc voilà le sceau de Gauss qui, avec lequel il marquait ses livres en particulier. Donc c'est d'ailleurs un sceau assez étrange du point de vue de la décoration. En tout cas, ce sceau contient sa devise. Et alors, en fait, cela l'a conduit, comme je le mentionnerai plus tard, à plusieurs situations ambiguës, puisque finalement des gens publient des résultats avant lui. En fait, résultats qu'il connaissait, mais comme il ne les a pas publiés, il y a une sorte d'ambiguïté sur les connaissait-il vraiment, ne les connaissait-il pas. Alors évidemment, une fois qu'on a eu accès postérieurement, après son décès, il a été possible de voir qu'effectivement, dans ses notes, il y avait absolument tous les éléments pour établir le fait qu'il avait bien... connaissait bien ses résultats avant ceux qui les ont publiés, mais c'était un peu difficile de son vivant. Et alors, souvent, on a aussi présenté Gauss comme quelqu'un d'extrêmement conservateur. Un des signes de son conservatisme, d'une certaine façon, était le fait qu'il a refusé très très régulièrement de déménager de Göttingen. Il est vraiment resté à Göttingen. Il a été une des personnes clés du rayonnement de Göttingen pendant pas mal d'années. Donc, voilà. Et enfin, pour souligner l'importance de son œuvre mathématique, il a été surnommé le prince des mathématiciens. Donc voilà Carl Friedrich Gauss, un portrait plus âgé que l'autre portrait que je vous ai présenté. Donc j'en arrive maintenant au texte, qui est donc l'objet de la présentation. Donc les discussions générales sur les courbes, sur les surfaces courbes, pardon. Donc voilà la première page en latin, donc c'est la façon dont il a été écrit. Donc voilà comment commence le texte, donc dans lequel c'est un texte qui est organisé en un certain nombre d'articles, que je vais évidemment pas regarder tous les articles, je vais prendre un certain nombre de passages qui me paraissent les plus importants. Alors ce texte est en fait, il y a un autre document qui lui est écrit en allemand, qui est une annonce après sa conférence, la conférence qu'il a faite à Göttingen, que il va y avoir ce texte. Et alors en fait, cette annonce contient des choses tout à fait intéressantes sur lesquelles je reviendrai un tout petit peu plus tard, et je vais vous proposer une traduction d'un texte, d'un passage qui est tout à fait important. Donc voilà le document que je vais utiliser pour la projection aujourd'hui, qui est une traduction qui a été faite au milieu du 19e siècle par quelqu'un dont je ne connais pas le nom, puisqu'il y a uniquement ses initiales. Cette traduction, donc 1852, en français, n'est pas extraordinairement bonne, elle est raisonnable. Il y a plusieurs traductions en anglais, certaines des traductions en anglais sont de meilleure qualité. Il n'y a pas de contresens, il y a des ambiguïtés par moment qui sont un petit peu gênantes, mais bon, donc dans ce cas-là, il faut revenir au texte latin. Donc voilà comment se présente le texte au début. Les recherches dans lesquelles on s'occupe des directions de diverses droites dans l'espace sont la plupart du temps portées à leur plus haut point d'évidence et de simplicité si l'on se sert comme auxiliaire d'une surface sphérique d'un rayon égal à 1, décrite autour d'un sens arbitraire dont les différents points sont censés représenter les directions des droites parallèles au rayon terminé à cette surface. Donc ça, c'est une sorte d'introduction assez bizarre, parce qu'on démarre extrêmement doucement, d'une certaine façon, avec des choses très techniques. Donc le début de ce texte est un petit peu, un peu surprenant. Malgré tout, c'est vraiment un texte fondateur. Et pourquoi ? Parce qu'il est très pédagogique, très complet, d'une très grande densité, en fait. Il faut vraiment... beaucoup de choses, on revient, on les complète, on les enrichit. C'est un texte qui fait seulement 40 pages, donc beaucoup plus court que les Discussiones arithmétiques. Ce qui est intéressant, c'est que le titre est très explicite, c'est un texte de géométrie. Il n'y a pas une seule figure dans ce texte. Donc si vous voulez comprendre, vous faites les figures à côté. Mais bon, c'est une façon très analytique de traiter la géométrie, qui d'ailleurs était très à la mode à ce moment-là. Lagrange lui-même
a écrit aussi, parmi ses textes du calcul des variations, justement des textes dans lesquels il insiste lourdement que pour faire tout ça, pas une seule fois il ne fera une figure dans son texte. Donc c'était quand même une des choses qui était très à la mode. C'est une chose sur laquelle d'ailleurs Gauss s'explique sur l'importance de ces présentations analytiques. Donc, comme je vais l'expliquer, ce texte contient une construction radicalement nouvelle, et ce qui m'intéresse, évidemment, plusieurs résultats très importants pour la suite, mais comme je l'ai déjà annoncé, c'est vraiment l'acte de naissance du concept d'espace courbe. Et ça, c'est vraiment, pour les mathématiques, une révolution extrêmement importante. Donc le premier concept qui est dans ce texte, qui est la suite de ce que j'ai commencé à lire, c'est cette idée de ce qu'on appelle l'application de Gauss. Alors il semble que Gauss possédait cette notion d'application de Gauss bien plus tôt que l'écriture de ce texte. D'après ce que j'ai noté, moi, là, en fait, l'application de Gauss, probablement, il la possédait dès 1794. Donc vous voyez que le texte a été publié en 1827, donc il a attendu seulement 31 ans avant d'en parler en public. Donc on n'est pas dans le publish or perish qu'on connaît bien maintenant. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que cette application? C'est une idée très très simple, qui est le développement de ce que j'ai dit tout à l'heure. Eh bien, on a une surface à laquelle on s'intéresse dans l'espace ordinaire, à trois dimensions, et on va la représenter, en fait, par la normale en chaque point. Donc ça, c'est un des endroits où Gauss insiste lourdement, qui va s'intéresser seulement à des surfaces vraiment lisses. Il n'y a pas de singularité, il n'y a pas d'arête, c'est vraiment des surfaces lisses. Donc du coup, on a bien un plan tangent en chaque point, on n'a pas d'ambiguïté, et si on a un plan tangent, on a une normale. Donc on peut faire la construction qui est là, vous avez votre surface, prenez deux points, P et Q, vous prenez les normales en ces points-là, et vous les reportez sur la sphère unité, vous prenez des normales de longueur unité, et donc voilà. Et donc maintenant, vous vous intéressez à cette application de la surface dans la sphère, qui est ce paramétrage. Et alors, donc, il discute très précisément comment il va paramétrer, comment il peut décrire cette application, donc une application de la surface dans la sphère. Et en fait, l'idée radicalement nouvelle, là, par rapport à cette application de Gauss, après tout, définir cette application est assez banale, d'ailleurs, lui-même le disait dans les quelques phrases que j'ai lues de tout début du texte, c'est que l'idée radicalement nouvelle, c'est qu'il va s'intéresser à la distorsion des aires dans cette application. Donc, on va regarder l'aire d'une surface on prend un petit domaine dans la surface, on regarde dans la surface, oui, mais je m'intéresse maintenant à l'aire d'une petite portion, je m'intéresse à ce que devient cette aire sur la sphère, et une chose qui va être très importante, c'est de comparer la surface grisée sur la sphère à la surface grisée sur la surface. Et donc ça va être la chose tout à fait déterminante. Et donc, voilà, dans la comparaison de deux figures se correspondant de cette matière mutuellement, dont l'une sera comme l'image de l'autre, deux points essentiels sont surtout à considérer. L'un quand on a d'égard qu'à la quantité seulement, l'autre quand en faisant abstraction des relations quantitatives, on ne s'attache qu'à la seule position. Donc c'est après ça qu'il va justement insister lourdement sur le fait qu'il arrive à une notion de ce qu'il appelle la courbure totale. Donc voilà comment il définit la courbure totale. Savoir à chaque partie de la surface courbe enfermée dans des lipides déterminés, nous assignons une courbure totale ou entière, tout simplement, qui est exprimée par l'aire de la figure qui lui correspond sur la surface sphérique. Donc si vous aviez une aire unité sur la surface, vous regardez ce que devient cette aire, et vous voyez ça comme une mesure de sa courbure. Alors vous voyez que, par exemple, imaginez que votre surface est un plan. La normale, elle est constante. Puisque c'est un plan, donc la normale, elle ne change pas, donc votre application est très, très dégénérée, puisque tout le plan est envoyé sur une seule direction, qui est la direction normale au plan. Donc dans ce cas-là, évidemment, la mesure de la courbure, quelle que soit la zone que vous prenez dans le plan, évidemment, la zone que vous trouvez dans la sphère, c'est juste un point, donc la mesure est zéro. Donc vous trouvez que la courbure totale de cette zone sur le plan, elle est zéro. Donc on arrive à cette idée, pas trop surprenante, si on appelle ça une courbure, que la courbure du plan est nulle. Alors évidemment, la chose qui est intéressante, c'est que vous voulez après, comme on dirait aujourd'hui, localiser cette construction, et au lieu de la regarder pour des domaines et de regarder la courbure totale, vous avez envie de regarder maintenant, justement, comme il le dit, cette dernière rapportée à un point de la surface et désignera le quotient qu'on obtient quand on divise la courbure totale de l'élément superficiel adjacent au point par l'aire de cet élément.
et par conséquent indique le rapport des aires infiniment petites qui se correspondent mutuellement sur la surface courbe et sur la surface sphérique. Donc l'idée, c'est que vous rétrécissez, vous regardez en un point, vous rétrécissez autour de ce point la zone que vous regardez, vous regardez la façon dont elle est distordue, elle devient la surface, ce qu'elle devient dans la sphère, et vous faites le passage à la limite en divisant par des sphères. Alors évidemment, il y a une toute petite ambiguïté, parce que si vous prenez un domaine autour du point qui est très compliqué, est-ce que vous trouvez toujours la même chose ? Ça dépend de la forme du domaine. Alors, comme il dit, l'utilité de ces innovations sera abondamment justifiée, comme nous l'espérons, par ce que nous expliquons dans la suite. Alors, ensuite, donc, il continue par le fait qu'il a envie de pas simplement avoir cette courbure, disons, totale, mais aussi d'avoir un signe pour cette courbure totale. Et là, ça devient plus subtil. Alors là, il faut essayer de repenser. Imaginez que vous avez une calotte sphérique. Vous regardez l'application, l'application de Gauss, c'est-à-dire vous prenez les normales à des points au voisinage d'un point d'une calotte sphérique. Et alors vous voyez que c'est assez facile à imaginer que quand vous vous promenez sur le bord de cette calotte sphérique, eh bien l'image des normales, quand vous regardez comment ça se promène dans la sphère, en fait tourne dans le même sens. Donc du coup, puisque vous avez conservation du sens dans cette application, vous allez dire que la courbure est positive. Au contraire, si vous prenez une selle de cheval et que vous regardez la façon dont la normale évolue quand vous baladez autour d'un point qui est de la selle de cheval, en fait, c'est assez facile de voir que, à cause du fait que vous devez descendre puis remonter, en fait, le sens de parcours va être en fait le sens opposé. Et donc du coup, c'est là où il prend soin de dire que, à ce moment-là, nous distinguerons ces deux cas par le signe positif ou négatif de la mesure de la courbure, mais évidemment cette distinction ne peut avoir lieu qu'autant sur chaque surface nous prenons une région déterminée dans laquelle on doit concevoir la figure. Donc évidemment la difficulté de nouveau, c'est que si vous faites ça localement au voisinage d'un point, vous pouvez avoir un sens. Dès que vous voulez globaliser ça, ça devient très difficile de savoir ce que vous faites précisément. Donc voilà, et donc comme j'ai dit, il a introduit cette notion de courbure totale et il a aussi introduit cette notion de passage à la limite. Alors le lien, une autre construction qui va l'amener aussi à cette notion de courbure, c'est l'utiliser la notion de courbure principale. Donc l'idée pour fabriquer cette notion de courbure à partir des courbures principales, c'est de revenir à l'idée que quand on prend une surface, on peut toujours la couper par un plan qui contient une normale. Donc c'est une bonne façon de couper la surface, il n'y a pas de risque, c'est une coupure bien nette. Et du coup, on trouve une courbe plane, puisque l'intersection de la surface avec ce plan normal, c'est une certaine courbe. Et dans le cas des courbes planes, on connaît la notion de rayon de courbure. Alors cette figure, donc la courbe qui m'intéresse, c'est la courbe en rouge. Et évidemment, j'ai des cercles trop petits qui sont tout entiers d'un côté, c'est des cercles jaunes. J'ai des cercles trop grands qui sont tout entiers de l'autre côté, c'est des cercles bleus. Et quand vous passez en transition entre les cercles de type intérieur au cercle de type extérieur, il y a un cercle particulier qu'on appelle le cercle de courbure, qui est le cercle osculateur. Et en fait, ce cercle osculateur, en général, il est d'un côté de la courbe avant le point de tangence et de l'autre côté de la courbe après le point de tangence. Donc il a un rayon, qu'on appelle le rayon de courbure de la courbe en ce point-là, et la quantité qui nous intéresse, c'est l'inverse du rayon de courbure. Donc la courbure au point, pour une courbe, ça va être en un point, c'est l'inverse de son rayon de courbure qui est donc attaché. Donc du coup, ça donne l'idée que maintenant, pour une surface, on peut la couper par des plans normaux. On trouve des rayons de courbure. Quand on fait pivoter le plan normal autour de l'axe de la normale au point, évidemment, on trouve des courbures qui varient. Et si on prend les valeurs extrémales de ces courbures qui varient quand on tourne, eh bien, en fait, il y a un petit résultat, c'est que ils sont nécessairement orthogonaux, ces courbures principales, et on trouve en tout cas deux nombres. Donc ça, c'est les fameux nombres qu'il introduit. Qu'en coupant une surface, en s'intéressant aux courbures principales d'une surface, qu'il appelle T et V, on peut examiner exactement comment la courbure évolue quand on tourne autour du point. Il donne la formule qui permet de faire le calcul. Et évidemment, il s'intéresse à un cas dégénéré, c'est le cas où les deux courbures principales sont égales. Et à ce moment-là, c'est facile de voir qu'automatiquement, si T égale V, la valeur qui varie à cause de sinus carré plus que sinus carré égale 1 ne change pas. Hein, donc on est dans un cas dégénéré, c'est un point sphérique comme on dit, mais on peut avoir des cas où T et V ont des signes différents.
Et alors là, la grande découverte de Gauss, c'est la découverte suivante, c'est que si je ne m'intéresse pas aux courbures principales, TEV, si je m'intéresse aux produits des courbures principales, c'est-à-dire la quantité TV qui est ici, donc il introduit petit k, donc petit k est ici ce qui va être la courbure, en allemand Krümmung, donc c'est normal que ça s'appelle petit k, et donc le théorème qu'il énonce, c'est que la mesure de la courbure en un point quelconque d'une surface est égale à une fraction dont le numérateur est l'unité et dont le dénominateur est le produit de deux rayons de courbure extréma dans les sections faites par les plans normaux. Donc il trouve une autre façon de retrouver ce nombre qu'il avait introduit, qui était la courbure en un point, par le produit des courbures principales. Et là on arrive très près de ce qui est dans le texte le Theorema Egregium. Donc egregium en latin veut dire quand même remarquable, distingué, extraordinaire, etc. Qui est seulement traduit dans le texte en français par le beau théorème, ce que je trouve un peu faible. Et donc ce Theorema Egregium est évidemment une formulation extrêmement décisive pour établir le concept d'espace courbe. Donc que dit ce Theorema Egregium? Eh bien il dit que si deux surfaces ont la propriété que la métrique sur ces surfaces sont les mêmes, donc si ces deux surfaces sont isométriques en tant qu'objets métriques, pas dans leur forme dans l'espace, mais vraiment dans la façon dont la métrique sur la surface se comporte, eh bien la mesure de la courbure est la même. Donc la notion de courbure est attachée à des surfaces qui ont la même géométrie interne. Alors ça, c'est évidemment un théorème tout à fait important, qu'apparemment Gauss avait déjà bien avant la publication de son texte, mais pour lequel il n'était pas complètement satisfait, parce que sa démonstration est absolument rigoureuse, mais il voudrait bien, d'une certaine façon, avoir un calcul de cette courbure. Et ce qui l'a amené à reporter autant la publication des discussiones generales, c'est justement le fait qu'il voulait avoir cette formule, et donc... voilà la formule qui se trouve un peu plus loin dans le texte, donc il y a encore un autre élément du texte, qui est donc toujours ce même petit k, qui est l'objet qui est là. La chose décisive, si vous voulez, c'est que vous avez la métrique euclidienne, que vous écrivez par les éléments infinitésimaux euclidiens, x, y, z sont les coordonnées dans l'espace à trois dimensions, que vous induisez sur la surface, vous avez deux paramètres le long de la surface P et Q, qui vous font apparaître ces coefficients E, F, G, et alors ce qui est remarquable, c'est que la courbure K se calcule complètement à partir des coefficients EFG et de leurs dérivés. Autrement dit, si je connais la métrique le long de la surface, je peux calculer la courbure, qui est vraiment une façon très explicite d'affirmer ce caractère intrinsèque de la courbure, c'est-à-dire que la notion de courbure est accessible à des êtres infiniment plats qui vivraient que sur la surface. Il n'y a pas besoin d'aller dans la troisième dimension, alors toutes les définitions précédentes nous obligeaient à aller dans la troisième dimension. Alors, ce qui est extraordinaire, donc je termine l'analyse du texte par cette chose qui est tirée du Anzeige, en fait, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il anticipe que là, il a vraiment fait une découverte extraordinaire. Donc peut-être j'introduis un bout, donc ces énoncés montre que la théorie des surfaces courbes doit être regardée avec un autre point de vue qui ouvre un champ absolument non défriché pour la recherche. Si l'on ne considère pas les surfaces comme les bords d'objets solides, mais seulement comme des objets en eux-mêmes dont une dimension a disparu, une dimension est devenue infinitésimale, et qui sont malgré tout déformables, mais qui ne peuvent pas s'étendre, donc ça veut dire qu'on ne change pas la métrique le long de la surface, alors on comprend que des relations qui sont a priori complètement différentes peuvent être distinguées, et justement celles qui font intervenir, qui ne supposent pas du tout une forme définie de la surface dans l'espace, et qui au contraire vont être indépendantes de cette forme. Et donc après, il dit que ça, c'est vraiment le début d'une autre géométrie. Géométrie pour laquelle, d'ailleurs, il propose un nom. Voilà, petit point que je l'ai perdu. Oui, qui s'appelle Geometria Situs. Pas dans le texte ici, mais dans les manuscrits. Alors juste pour dire un mot du lien avec la géodésie.
En fait, il fait des références très très précises à la géodésie, puisque un des articles dans le livre est justement un calcul de la variation des angles qui tient compte du fait que la Terre n'est pas une sphère parfaite, mais un objet beaucoup plus compliqué. Et donc, il introduit les termes correctifs. Évidemment, les variations sont des secondes d'angle, donc extrêmement faibles. Mais malgré tout, il affirme à ce propos une phrase tout à fait intéressante que j'ai traduite pour vous, qui est donc en pratique, les différences ne sont pas importantes parce qu'elles sont même négligeables pour le plus grand triangle sur la Terre. Cependant, la dignité de la science exige qu'on comprenne clairement la nature de cette inégalité. Donc, tout en étant très absorbé par ses travaux de géodésie, il a parfaitement conscience que ces choses-là sont différentes. Donc je vais continuer maintenant par les continuateurs de cette théorie. Sur la géométrie non euclidienne, qui est donc sous-jacente à, comme j'ai essayé de vous le faire sentir, aux différentes discussions de Gauss. Donc la vraie question pour les géométries non euclidiennes, c'est justement de se débarrasser de ce dogme de l'unicité de la géométrie euclidienne et donc de fabriquer des géométries qui vont violer le postulat des parallèles, ce qui va imposer que ce postulat soit vraiment rajouté pour qu'on trouve la géométrie euclidienne. Donc le premier qui a fait les pas décisifs est Nicolas Lobachevsky, 1826. Donc son texte est paru dans ce qu'on appelait à l'époque le journal de Crelle. C'est un texte paru en français qui s'appelle « Géométrie imaginaire ». Et le mot « imaginaire » n'est pas neutre du tout. Évidemment, il s'agit de se prévenir contre le fait qu'on soit sujet d'hallucination. D'ailleurs, Lobachevsky a été très critiqué par un inspecteur qui inspectait son enseignement à l'université de Kazan, où il enseignait, qui disait quand même « on gaspille l'argent de l'État à des gens qui vont vous raconter que la géométrie euclidienne n'est pas la seule géométrie possible ». Donc vous voyez que les évaluateurs, quelquefois, faut s'en méfier. Et donc, dans le texte de Lobachevsky, de façon assez, disons, un peu pesante, mais malgré tout tout à fait non équivoque, il conclut donc dans ce texte, « Dans la théorie, rien ne s'oppose à admettre que la somme des angles d'un triangle rectiligne soit moindre que deux angles droits. » Et ensuite, il développe, pour cette géométrie imaginaire, il fait très, très attention, par exemple sur le point numéro 4, « Les valeurs des éléments différentiels des lignes courbes, des surfaces et du volume des corps sont les mêmes dans la géométrie imaginaire et dans la géométrie usitée. » Et alors maintenant, dernier point, « L'hypothèse de la somme des angles d'un triangle moindre que deux angles droits ne peut avoir d'application que dans l'analyse, puisque les mesures directes ne nous montrent pas dans la somme des angles d'un triangle la moindre déviation de deux angles droits. » Donc de nouveau, il dit, mais si vous faites des mesures sur la Terre, c'est pas comme ça que vous verrez, puisque lui-même avait regardé s'il y avait justement des décalages. Alors évidemment, un autre personnage doit être mentionné, János Polyáj. Donc c'était le fils de Farkas Polyáj, cet ami intime de Gauss, qui lui n'était pas un mathématicien, c'était un officier qui s'ennuyait et qui demandait à son père de lui donner des problèmes de maths pour s'occuper. Donc voilà, donc le texte de Polyáj n'est jamais sorti comme un texte mathématique en soi, il est seulement sorti comme un appendice d'un article de son père. Donc ça c'est le texte où est sorti donc sur la science de l'espace, et donc en particulier il montre que l'axiome d'Euclide est un axiome et ne peut pas être démontré des autres. Voilà, donc la nouvelle géométrie qui est ainsi créée s'appelle la géométrie hyperbolique. C'est une géométrie qui viole le postulat des parallèles. Et dans cette géométrie, la somme des angles d'un triangle est inférieure à un angle plat. Et donc cette géométrie a mis beaucoup de temps à être acceptée. Et donc c'est seulement quand on a eu un modèle euclidien, donc voilà une représentation par Escher d'un modèle euclidien de la géométrie hyperbolique. Donc l'espace, c'est l'intérieur du disque. Les droites de cette géométrie sont des cercles perpendiculaire au bord du disque, donc essentiellement ce qui est représenté par des traits blancs. Et évidemment, quand vous prenez un point, je viens de prendre un point rouge là, et si vous prenez une droite, je viens d'en prendre une ici, rouge, eh bien vous voyez bien que par ce point rouge, il passe beaucoup de droites. Il n'y a pas du tout unicité des parallèles, il y a en fait beaucoup de droites qui passent par le point rouge, qui ne coupent pas la droite rouge. Donc voilà. Et en fait, cette résistance à l'acceptation de la géométrie hyperbolique est allée très loin, puisqu'il y a même encore des notes au compte-rendu de l'Académie des sciences en 1870 qui contestent, qui proposent des démonstrations de l'axiome des parallèles. D'ailleurs, par quelqu'un qui était, la personne qui a proposé cette note au compte-rendu était un professeur à l'école polytechnique, donc vous voyez, il faut se méfier des apparences.
Et alors, juste un extrait que je voudrais vous montrer, qui est donc un texte écrit vers la fin du XIXe siècle, extrait des Frères Karamazov, dans lequel il y a une discussion sur à la fois Dieu, mais aussi la géométrie euclidienne. Donc je prends le texte à peu près au milieu. « Cependant, il se trouve encore des géomètres et des philosophes, même parmi les plus éminents, pour douter que tout l'univers, ou dans un sens encore plus vaste, toute existence n'ait été créée que selon la géométrie euclidienne. Ils ont même rêvé que deux lignes parallèles, qui d'après Euclide ne peuvent jamais se rencontrer sur la Terre, pourraient se rencontrer quelque part dans l'infini. » Ça, c'est plutôt une allusion à la géométrie projective. « J'ai décidé, mon cher, que puisque même cela je ne puis le comprendre, comment pourrais-je comprendre ce qui concerne Dieu? J'avoue humblement n'avoir aucune disposition pour résoudre de tels problèmes. J'ai l'esprit euclidien, terrestre, aussi est-ce à nous de juger de ce qui n'est pas de ce monde. À toi aussi, je te conseille de ne jamais y penser, ami Alyosha. Et surtout, au sujet de Dieu, existe-t-il ou non? Toutes ces questions ne sont pas faites pour un esprit créé avec la seule notion de trois dimensions. » Donc c'est intéressant de voir que ce texte, qui est quand même beaucoup plus tardif, reprend cette thématique. Voilà, donc malgré tout, en même temps, il s'est passé une autre chose, c'est qu'on a pris conscience rapidement qu'en fait, on avait sous la main une géométrie non-euclidienne depuis des siècles, qui était la géométrie sphérique. Parce que dans la géométrie sphérique, évidemment, vous voyez bien que ce qui s'appelle les droites, c'est les grands cercles, et les grands cercles, ils se coupent toujours deux fois. Donc vous ne trouvez jamais, par un point, une droite parallèle, un grand cercle parallèle à un cercle donné. Dès que vous prenez un grand cercle, il recoupe l'autre grand cercle. Et par ailleurs, on connaissait depuis longtemps aussi la formule de l'excès des sommes d'angles. Donc on savait bien que sur la sphère de rayon 1, quand je fais la somme des angles d'un triangle sphérique, donc dont les côtés sont des grands cercles, eh bien on trouve exactement ce qu'on trouve d'habitude dans le plan, plus l'aire de ce grand cercle, l'aire de ce triangle, pardon. Voilà. Je passe sur la trigonométrie sphérique. Donc j'avance maintenant sur Bernard Riemann, qui a donc été la personne qui a été le continuateur de Gauss le plus spectaculaire. Donc ce que Bernard Riemann a fait, c'est qu'il a généralisé complètement tout ce que faisait Gauss à plusieurs dimensions. Et en fait, comme vous le savez probablement, c'est en fait lors de sa soutenance d'habilitation, qui dans le schéma allemand était une partie de l'exercice, devait consister pour le candidat à répondre, disons, il se voyait proposer trois sujets par la faculté, comme on dit, et il devait répondre, donc, le jury choisissait un des trois sujets une semaine avant la soutenance. Gauss était dans le jury et a choisi comme sujet, justement, ce fameux sujet sur les hypothèses sur lesquelles la géométrie est fondée. Alors, ce texte, malheureusement, n'a été publié qu'après la mort de Riemann, et donc dans ce texte, qui est le texte fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la géométrie riemannienne, donc la généralisation de la géométrie intrinsèque dont rêvait Gauss à plus de deux dimensions, eh bien, en particulier, ce que fait Riemann, c'est que, évidemment, c'est une généralisation extraordinaire de toutes ces géométries non euclidiennes. Ce qui est fantastique, c'est que les géométries non euclidiennes trouvées par ailleurs, sphériques ou hyperboliques, sont des cas particuliers de la géométrie de Riemann, des cas parfaitement identifiables, ce qu'on appelle les cas à courbure constante. Elle est fondée sur la variabilité de l'élément de longueur, les fameux coefficients EFG, qui maintenant deviennent des fonctions complètement générales. Les plus courts chemins sont remplacés par remplacent les droites. Donc ça veut dire que l'étude des plus courts chemins est évidemment une partie très très importante de cette géométrie de Riemann. Et enfin, la chose décisive, c'est que le comportement collectif des plus courts chemins est complètement régi par un objet qui généralise la courbure de Gauss, qu'on appelle R pour Riemann, comme vous imaginez, et plus K comme Krumung, qui est donc ce fameux tenseur de courbure avec quatre indices, qui est une bête assez curieuse. Donc évidemment, quand on se ramène aux surfaces, ce tenseur très compliqué se ramène juste à la fonction de la courbure de Gauss, la fameuse fonction K. Voilà la formule, comment elle commence au moins, je ne vous ai pas écrit tous les termes, il y a normalement après 12 termes, donc bon, ça fait réfléchir. Je suis en train d'enseigner ça, donc j'ai tiré ça de mes notes de cours, de mon avant-dernier cours, donc voilà, ça occupe de quelques temps quand on doit calculer. La chose qui est vraiment décisive, c'est que cet invariant, même s'il est compliqué, continue à avoir une vertu géométrique très forte. Il mesure la déviation d'un espace courbe à être plat, donc comme la courbe de Gauss, il permet de distinguer les espaces plats des autres, et c'est vraiment l'invariant fondamental de la géométrie riemannienne. Donc Riemann a vraiment accompli le rêve de Gauss de généraliser cette géométrie. Un personnage dont je voudrais parler, qui est souvent pas forcément très connu, s'appelle William Kingdon Clifford.
qui aussi a vraiment conçu l'importance de la courbure. Il a publié en 1870, donc voilà sur Kingdom Clifford, qui a eu une vie assez parallèle à celle de Riemann. Il est mort aussi très jeune de tuberculose, très affaibli sur la fin de sa vie. Et donc il a publié ce texte qui s'appelle « Sur la théorie, on the space theory of matter », sur une théorie spatiale, géométrique de la matière, et dont donc, il fait référence bien entendu à Riemann. Et dans son texte, il y a une anticipation absolument phénoménale de la relativité générale d'Einstein. Et il dit donc que cette propriété d'être courbée ou tordue et continue se passe d'une portion de l'espace à une autre comme une onde, que cette variation de la courbure de l'espace est ce qui fait vraiment ce qu'on appelle le mouvement de la matière. Donc il montre, enfin pour lui, il a l'intuition qu'on peut géométriser complètement la gravitation et que dans le monde physique, rien d'autre ne se place que cette variation, simplement soumise à la loi de continuité. Alors c'est un texte très bref, complètement visionnaire, non développé sur le plan technique, mais qui est quand même assez extraordinaire. Je vous rappelle la date de ce texte, c'est 1870. Voilà, donc maintenant je parle maintenant des espaces courbes au début du XXe siècle, avec évidemment deux personnages dont je voudrais parler rapidement. Poincaré d'une part. En fait, je voudrais citer Poincaré essentiellement pour des raisons de philosophie. Une des choses que Poincaré a comprises assez rapidement, c'est qu'il était vraiment temps de, disons d'une certaine façon, que les mathématiciens larguent les amarres et affirment sans ambiguïté que les objets mathématiques sont d'une conception indépendante des objets matériels. Et donc il fait ça en particulier dans un texte très très bien, très connu, qui se lit toujours avec, qu'on peut toujours lire avec grand plaisir, qui s'appelle le texte La science et l'hypothèse, vraiment écrit pour un grand public, 1902, dans lequel on peut lire: les axiomes ne sont pas des énoncés synthétiques, ni des énoncés a priori, ni des faits expérimentaux. Ce sont des conventions. Que doit-on penser de la question « est-ce que la géométrie euclidienne est vraie ?» Elle n'a aucun sens. Une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre, elle peut seulement être plus commode. Donc c'est l'affirmation très explicite que les modèles mathématiques ont leur logique de mathématiques, et maintenant leur pertinence par rapport aux phénomènes qu'ils veulent représenter sont un problème de modélisation. Mais ce n'est pas un problème de mathématiques. Voilà. Alors un autre personnage maintenant que je voudrais présenter, qui lui aussi n'est pas si connu, et c'est vraiment dommage, je pense que c'est une grande injustice historique, donc c'est Gregorio Ricci Corbastro. Alors ce monsieur, qui est un géomètre italien, donc qui a vécu à la fin du 19e siècle, début du 20e, en fait a été celui qui était le grand continuateur de Riemann, qui a écrit les deux textes fondateurs, enfin vraiment qui développent les outils techniques de la géométrie riemannienne. Un texte écrit en italien en 1888, qui est vraiment absolument remarquable par le fait qu'il donne une présentation absolument complète des outils de la géométrie riemannienne, et un texte plus connu avec un de ses élèves, qui s'appelle Levi Civita, paru en 1900 en français dans les Mathematischen Annalen. Et donc voilà Ricci Corbastro. Et donc la chose tout à fait décisive pour nous, pour finir cet exposé, est le fait qu'en 1904, donc vous voyez, on est le texte de Riemann, 1954, donc 50 ans après Riemann, il introduit une quantité, pour des raisons vraiment très très naïves et géométriques, une contraction de la courbure qu'il appelle la courbure de Ricci. Donc je vous ai parlé de ce tenseur de courbure qui est assez monstrueux, avec 4 indices, un objet vraiment compliqué, et Ricci Corbastro introduit, donc on introduit l'idée originale, c'est de faire la somme sur ces indices-là. Donc on a un objet très compliqué qu'on simplifie en faisant la somme de 1 à n de ces éléments-là. Ce qu'on appelle, j'utilise ici ce qu'on appelle la convention d'Einstein sur la sommation des indices. Donc il m'en reste plus que 2 indices, donc c'est un objet beaucoup plus simple que cet objet-là. Et en fait, la chose décisive, c'est que cet objet simple, il est de même nature que la métrique. Comme la métrique, c'est quelque chose qui permet de mesurer des longueurs de vecteurs. Et donc le fait qu'il ait la même nature mathématique que la métrique va se révéler complètement décisif. Et en fait, son intention, c'était de généraliser complètement la géométrie riemannienne, la notion de courbure principale. Et alors, le paradoxe, c'est qu'on n'en a absolument jamais rien fait. Donc la motivation initiale s'est révélée absolument sans intérêt, mais le concept qu'il a créé s'est révélé d'une profondeur extraordinaire.
Donc la personne qui l'a mise en œuvre de façon phénoménale est en fait Einstein, avec l'aide, comme je dirais tout à l'heure, de Grossman. Donc premier exploit d'Einstein, c'est en 1905, comme vous savez, dans son année Annus Mirabilis, Einstein a fait énormément de découvertes en physique, mais en particulier, créé ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte, dans laquelle il affirme qu'il n'est plus possible, à cause d'un certain nombre d'expériences, typiquement les expériences de Michelson-Morley en électromagnétisme, il n'est plus possible de concevoir que l'espace et le temps sont des absolus qui n'ont pas de point de rencontre, et qu'il est vraiment indispensable de repenser l'espace et le temps comme un continuum qui est un espace-temps. Et du coup, la géométrie qui est sous-jacente à cet espace-temps, c'est en fait un peu comme les métriques que Riemann a considérées, ces fameux coefficients qui s'appelaient EFG chez Gauss, mais avec une complication, puisqu'on doit avoir des cônes de lumière, et donc la direction du temps n'est pas la même chose que les directions spatiales, et donc la chose décisive, c'est les fameux cônes de lumière, donc ce qu'on appelle aujourd'hui une métrique de Lorentz. Alors ça, c'est une théorie qui a évidemment immédiatement été absorbée, puisque plein de gens étaient prêts à l'accepter, Lorentz, Poincaré, Minkowski, etc., ont donné diverses formulations, donc la relativité restreinte était bien établie. Mais dès 1913, il a fait un autre saut considérable, qui était de dire qu'on peut repenser complètement la théorie de la gravitation de Newton avec ses outils géométriques, en s'appuyant sur la relativité restreinte, mais en passant cette fois à une relativité générale. Donc l'idée, c'est qu'on veut avoir une présentation de la théorie qui est invariante par tout système de coordonnées, pas seulement, comme on le faisait dans la théorie de la relativité restreinte, des changements de coordonnées qui généralisaient les changements de coordonnées linéaires. Donc quelque chose de plus général. Évidemment, cette théorie est malheureusement plus complexe. Et donc voilà Einstein en train d'écrire les équations du vide dans la relativité générale, comme je vais le dire. Donc le point de départ de cette nouvelle théorie de la relativité générale, c'est qu'on va, comme l'avait suggéré Clifford, géométriser complètement la gravitation dans l'espace-temps. Et donc la gravité va devenir purement un phénomène géométrique. On n'aura plus besoin de parler de force de gravité, simplement les plus courts chemins dans cet espace modifié vont être justement les trajectoires sous l'effet de la gravitation. Et donc, là, brusquement, il a eu besoin de faire appel à des outils géométriques qu'il ne maîtrisait pas lui-même. Et donc là, il a fait appel à son voisin de bureau, mathématicien, Marcel Grossman, à l'ETH à Zurich, qui donc lui a dit, voilà, il y a toutes ces choses qui ont été faites par Riemann, Gauss et Ricci. Et finalement, après, donc je vous ai dit, 1913, il y a un double papier de Riemann, de Einstein et de Grossman, publié dans les Annalen der Physik, qui est un papier qui est généralement complètement ignoré par les physiciens, pour des raisons que je vais vous dire dans un instant, c'est que ce papier présente la philosophie, et quand il veut écrire les équations de champ, ce qui remplace les équations de Poisson de la mécanique newtonienne, les équations sont grossièrement fausses. Donc évidemment, et 2 ans plus tard, évidemment, il n'a pas lâché cette idée, parce que cette idée était tellement porteuse, et tellement avait une sorte de logique interne tellement forte, que grâce aussi à l'aide de Hilbert, il arrive aux équations d'Einstein, qui consistent à dire que la façon dont l'espace-temps évolue, donc sa géométrie, est complètement déterminée par la physique. Donc quand j'écris cette équation, le membre de gauche va décrire la façon dont évolue la métrique, qui me décrit complètement la position de la matière dans l'espace-temps, et à droite, je vais écrire toutes les forces physiques, mais pas les forces de gravitation, puisque j'ai dit que je les géométrisais. Et alors Einstein a longtemps dit que cette équation, donc l'équation d'Einstein, le rappelle un palais qui aurait 2 ailes, dont l'aile gauche serait faite de marbre absolument indestructible, la partie géométrique, et celle de droite serait faite de bois inférieur. Parce qu'effectivement, pour chaque théorie physique, pour l'électromagnétisme, pour les interactions faibles, pour les interactions fortes, etc., on doit fabriquer à la main un tenseur TIJ, qui est donc un tenseur d'impulsion énergie, qui décrit toute la physique hors la gravitation. Et donc ça, il faut le voir comme une équation qui va déterminer l'évolution de la géométrie, ceci étant donné. La physique étant donnée, vous déterminez l'évolution de la géométrie. Donc vous voyez que brusquement, la courbure qui était de Ricci, qui avait été inventée par Ricci, apparaît comme un outil extraordinaire qui est vraiment le cœur des équations de la relativité générale.
Donc je termine mon exposé par deux parties. Une que je vais passer peut-être un peu rapidement, puisque je suis un petit peu en retard sur mon temps, qui est que dans le XXe siècle, comme vous avez vu au début, Gauss était extrêmement soigneux pour dire ce qui m'intéresse, et d'ailleurs tout ce que je définis ne peut être défini que pour des surfaces lisses. J'ai absolument besoin que le plan tangent d'un point à l'autre soit bien défini, par exemple pour définir l'application de Gauss, donc évidemment pour définir la courbure. Eh bien, dans le XXe siècle, plusieurs personnes, plusieurs mathématiciens, ont proposé des définitions de la courbure, y compris dans des contextes extrêmement peu réguliers. Donc des objets assez mal fichus, pleins d'arêtes, pleins d'irrégularités. Donc un d'entre eux est Alexander Alexandrov, qui donc a introduit sur des espaces très irréguliers, il s'est rendu compte qu'on pouvait continuer à définir, pas une courbure, mais dire que la courbure était plus petite qu'une certaine valeur, ou plus grande qu'une certaine valeur. Donc on est dans un cas où mathématiquement, le concept est là, mais il n'est plus un concept auquel on donne une valeur, mais c'est un concept qui vous donne des inégalités. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et donc l'idée, elle est en fait assez naïve. Elle consiste à dire, j'ai des modèles, qui sont les espaces à courbure constante, l'espace euclidien, l'espace sphérique, l'espace hyperbolique, et toute situation que j'ai, même si elle est mal fichue, je vais me débrouiller pour la comparer à cet espace-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On revient au triangle, bêtement. Donc vous avez un triangle dans votre espace, donc vous avez un triangle ici, vous prenez un triangle avec cette longueur, vous prenez dans l'espace modèle, je prends par exemple l'espace plat, donc je vais essayer de regarder quand est-ce qu'un espace très irrégulier va avoir une courbure plus grande que zéro. Eh bien, je compare à l'espace euclidien, je prends un triangle, je prends un côté que je reporte avec la même longueur, je prends un côté, je reporte avec la même longueur, je prends un côté, je reporte avec la même longueur. Eh bien, je dirais que cet espace est courbé positivement si toutes les fois que je prends un segment qui va du sommet ici jusqu'à un point du côté opposé, sa longueur est plus grande que celle que j'ai ici. Eh bien ça me permettra de dire que cet espace, vous voyez, je ne lui demande pas beaucoup, je lui demande juste de pouvoir tracer des plus courts chemins et de pouvoir mesurer des longueurs. Donc je lui demande très peu de choses. Je n'ai pas besoin de faire des dérivés, je n'ai pas besoin de faire des choses compliquées. Voilà. Donc ça, c'est ça l'idée de base d'Alexandrov. Et en fait, ça a fait rentrer dans le domaine d'études de la géométrie des espaces extrêmement irréguliers, et éventuellement des espaces qui mélangent des structures continues et des structures discrètes. Donc ça, c'est une chose qui a été vraiment absorbée par la physique du solide, par exemple. Il y a une théorie qu'on appelle la théorie de la frustration géométrique en physique du solide, qui s'appuie justement sur le fait que brusquement, vous avez un objet qui est une sorte d'un cristal, qui est un cristal avec des mailles élémentaires qui sont toutes hexagonales, sauf qu'il y en a une qui est brusquement pentagonale. Eh bien, brusquement, ça crée en fait une frustration, comme on dit, et du coup, ça crée une sorte de courbure positive. De même, si vous avez brusquement au milieu quelque chose qui n'est pas hexagonal, mais heptagonal, alors vous avez au contraire une frustration dans l'autre sens, et vous créez de la courbure négative. Évidemment, décrire ça en termes de surface à la Gauss, impossible. On a besoin d'avoir des notions de courbure beaucoup plus irrégulières. Gromov est aussi allé dans ce territoire. Donc, Mikhail Gromov a poussé les mathématiciens beaucoup à leur dire « arrêtez de regarder tous ces objets aussi réguliers, c'est fondamental de regarder des objets beaucoup plus irréguliers. Intéressez-vous seulement à la distance. Ne regardez pas des choses dérivables, etc. C'est pas important. » Et donc, en particulier, à cause de l'importance qu'il accordait aux espaces métriques généraux, simplement des espaces où on a une notion de distance, rien d'autre, il a mis sur l'ensemble des espaces métriques une nouvelle distance qu'on appelle de Gromov-Hausdorff, qui s'est révélée avoir des propriétés assez extraordinaires et des applications aussi assez extraordinaires. Par exemple, en informatique, lorsque Gromov a eu le prix Abel l'année dernière, j'ai découvert qu'un ingénieur qui est de Minneapolis avait écrit un logiciel avec la distance de Gromov-Hausdorff pour repérer des images d'un catalogue dans des images vidéo, et que l'outil de base était vraiment la distance de Gromov-Hausdorff. Donc les objets que Gromov a considérés, c'était encore une fois des objets pour lesquels on avait des bornes inférieures sur la courbure de Ricci d'ailleurs le plus souvent. Et donc, comme j'ai dit, ça a vraiment eu un impact très considérable sur la façon dont les géométriciens conçoivent leur travail, et conçoivent en particulier le rôle des bornes sur la courbure.
Et donc, parmi les objets que Gromov a considérés, je vais peut-être le dire juste en un mot, je vais passer les transparents suivants. Parmi les objets auxquels il s'est intéressé, c'est les fameux arbres phylogénétiques. Donc, vous intéressez à la descendance à partir d'une source unique, d'une espèce unique, et vous regardez toutes les espèces qui sont là. Et alors après ça, vous avez quelques éléments. Évidemment, si l'arbre est déjà fait, vous avez gagné, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit cet arbre de généalogie. Donc vous avez besoin d'en considérer plusieurs. Et donc la chose déterminante, c'est de regarder l'espace de tous les arbres. Et miracle, d'une certaine façon, c'est que cet espace de tous les arbres, dans le contexte qui est intéressant en phylogénie, eh bien, exactement, est un espace qui a une courbe négative au sens d'Alexandrov. Donc, du coup, il y a tout un tas de constructions géométriques qu'on peut faire sur les plus courts chemins, sur les enveloppes convexes, etc. Donc, du coup, les concepts de courbure irrégulière d'Alexandrov trouvent un emploi assez extraordinaire là-dedans. Gromov a aussi, disons, géométrisé la théorie des groupes. Je passe là-dessus rapidement. Je termine avec la courbure de Ricci, encore une fois, parce que ça a été un personnage extraordinaire du développement d'un certain nombre de parties de mathématiques dans les dernières 30 années. Et donc, la chose qui est importante, en fait, c'est une idée qui est venue de la relativité générale. Comme vous avez vu, quand on écrit les équations de la relativité générale, évidemment, il y a la courbure de Ricci qui est là. Mais il y a une autre façon de la considérer, qui est une façon tout à fait étonnante. La première fois qu'on y pense, on se dit c'est absurde de faire comme ça, mais en fait c'est vraiment la bonne façon de résoudre les équations d'Einstein. Donc les équations qu'on écrit, a priori, sont écrites dans l'espace-temps. Mais malgré tout, quand on veut se donner des conditions initiales pour regarder l'évolution, c'est raisonnable de prendre une hypersurface du type espace. Donc vraiment une situation de l'univers à un instant donné, si vous voulez, et à partir de là, d'essayer de développer comment l'univers se transforme. Eh bien, quand vous faites ça, en fait, donc ça veut dire que vous recassez l'espace et le temps, d'une certaine façon. Mais malgré tout, en gardant en tête les équations d'Einstein. Et alors, si vous utilisez cette décomposition, brusquement, vous vous rendez compte que résoudre les équations d'Einstein, c'est faire évoluer la métrique induite sur l'espace, sur l'hypersurface du type espace, et d'écrire une certaine équation dans laquelle ce qui représente la force, d'une certaine façon, c'est exactement la courbe de Ricci de l'hypersurface. Donc brusquement, vous voyez Ricci apparaître comme un objet dynamique, c'est un objet qui transforme l'espace, et donc ça c'est vraiment une surprise, et ça a donné l'idée à certains mathématiciens de regarder du coup, en général, pour faire de la géométrie, l'idée de partir d'une métrique et la déformer dans la direction de sa courbe de Ricci. Le premier qui a fait ça, en fait, est Thierry Aubin, dans un article en 1970. Moi, je m'en suis servi aussi dans ma thèse, mais ensuite, s'est posé la question, que je vous donne l'énoncé que moi j'en ai donné en 1979, qui est-ce qu'il est possible, à partir de cette... de ne pas regarder ça juste comme une déformation infinitésimale, mais du coup, de se dire, de faire évoluer la métrique par, justement, la courbe de Ricci comme une sorte de champ de vecteur, comme une dynamique. Et en fait, la question difficile, c'est que ce n'est pas du tout évident qu'on puisse résoudre cette équation différentielle dans l'espace de toutes les métriques. Ça a été fait par Hamilton et Deterk en 1982, et surtout, Hamilton a trouvé des superbes résultats géométriques avec cette technique. Donc vous partez d'une géométrie mal fichue, vous la faites évoluer par sa courbe de Ricci, en suivant l'évolution, et au bout du compte, vous arrivez, si vous avez fait les bonnes hypothèses, à des objets très très sympathiques, par exemple une sphère toute ronde. Et donc la personne qui a exploité ça de façon merveilleuse est Grigori Perelman. Lui, il a repris cette idée du flot de Ricci en prenant des objets donc, à trois dimensions, qui était ce qui l'intéressait le plus, et en partant d'une métrique quelconque. Donc vous partez dans l'espace des métriques, cette métrique arbitraire, vous la déformez par la courbe de Ricci. Évidemment, comme vous n'avez fait aucune hypothèse, il vous arrive des ennuis, c'est-à-dire qu'en particulier, vous développez ce qu'on appelle les singularités, c'est-à-dire que l'équation s'arrête. Mais ce que Perelman a fait de façon brillante, c'est de montrer que même si ça s'arrête, on peut continuer quand même. C'est-à-dire qu'on change l'espace, on change les conditions et on redémarre. Et donc, j'aime bien cette photo parce qu'elle est en parallèle avec celle d'Einstein, avec Ricci et le tenseur de courbure aussi. Donc, voilà. Et il arrive, donc ça c'est son grand résultat, justement, à montrer comme ça que si vous partez d'une variété dans laquelle comme on dit simplement connexe, dans lequel tout chemin est contractile à trois dimensions, eh bien, vous, en la faisant évoluer, vous arrivez finalement à une sphère toute ronde.
conclusion, si vous suivez la façon dont vous avez fait votre évolution, quand vous avez eu vos accidents, exactement ce que vous avez fait, finalement vous arrivez à montrer que la variété dont vous êtes parti, l'objet géométrique dont vous êtes parti, était déjà une sphère. D'où la fameuse solution de la conjecture de Poincaré qui affirmait, qui posait la question, est-ce que tout objet à trois dimensions simplement connexe, compact, enfin qui est fermé sur lui-même, est-ce que c'est une sphère? Donc ça, c'est la chose étonnante. La question était une question de topologie et la solution est venue de la considération qui n'était pas dans le problème de la métrique et de la courbure. Je termine donc tout à fait par d'autres aventures de la courbe de Ricci, qui est aussi un sujet extraordinaire, mais si j'ai bien compris, vous risquez d'en entendre encore parler. En fait, à partir des années 80, il y a eu une fusion extraordinaire entre différents sujets de mathématiques qui n'avaient rien à voir. La théorie du transport optimal, qui est une théorie très appliquée, on se pose le problème, c'est de Monge qui avait lancé cette question, peut-on, donnez-moi la façon optimale de transporter un tas de gravats d'un endroit à un autre. La géométrie des espaces de mesure, qui a priori un problème de probabilité un peu singulier, et puis la géométrie des espaces singuliers à la Alexandrov dont j'ai parlé. Eh bien, cette synthèse qui s'est déroulée dans les 20 dernières années, 25 dernières années, est absolument extraordinaire. Et quel est le point commun à ces trois sujets qui n'ont a priori rien à voir? C'est la courbe de Ricci. Et c'est un des plus principaux contributeurs de ce sujet est en fait Cédric Villani, qui est le dernier conférencier de cette série de conférences « Un texte, un mathématicien » pour cette année. Donc, vous voyez, qui aurait pu prévoir que la courbe de Gauss aille aussi profondément dans la compréhension des mathématiques et des champs connexes. Au cas où vous ayez envie de relire des textes, la Société mathématique de France a publié en 1979 une traduction en anglais du texte de Gauss, conjointement avec le texte en latin, et des commentaires par Peter Dombrowski, qui est un texte tout à fait remarquable, qui a très très bien vieilli. Ce livre est épuisé, donc si je mentionne là, je trouve que c'est un appel pour que ce texte devienne, soit repris par NUMDAM ou d'autres structures comme ça, qui devienne un texte public, parce que je crois que ce texte est tout à fait important. Très bien, ben écoutez, je vous remercie pour votre attention, et je remercie Marie-Claude Verne pour son aide pour les images. Merci.